Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog, ici au PlayStation Experience, où j'ai pu tester, Far Cry Primal, qui sortira le 23 février prochain sur PS4 et Xbox One, et en mars sur PC. Ça fait du bien de pouvoir refaire une preview d'un jeu Ubisoft, ça fait près de 2 ans. Alors en tout cas, qu'est-ce qu'on a pu découvrir sur ce titre qui essaye d'apporter un peu de fraîcheur à la formule des Far Cry qui commençait un petit peu à s'enliser un petit peu? Eh bien, on incarne Takar. Takar, c'est ce sauvage, cet homme qui est perdu à l'âge de pierre et qui va devoir comme ça, entre apprivoisement d'animaux comme des ours, comme des loups, comme des pumas, composé avec ce monde, le monde de Horos, dans un univers où on va retrouver vraiment néanmoins les codes de la série des Far Cry, avec des zones qu'on va devoir conquérir, avec des affrontements contre des bêtes fauves. Évidemment, il y en a beaucoup, plus d'une dizaine différentes, et avec des groupes d'humains, de sauvages, avec lesquels il faudra composer. Ce qui est intéressant de voir au niveau de l'apprivoisement, donc dans la démo qui est présentée ici, c'est que vraiment il y a ces trois dont je vous parlais, le loup, le puma et l'ours. Il faut les appréhender de manière assez subtile. Certaines sont plus faciles à appréhender que d'autres, et forcément, par exemple, l'ours est plus puissant mais un peu plus lent, et donc il faudra composer un petit peu avec ces différentes espèces sauvages afin de manœuvrer au mieux. On peut se planquer dans les buissons, le moteur graphique est assez... C'est le même, enfin, il a été assez affiné, le développement est poursuivi par Ubisoft Montréal, secondé par Ubisoft Toronto, mais ça apporte pas mal de fraîcheur d'être dans cet univers de l'ère préhistorique. Donc comme je disais, on se tapit un peu dans les hautes herbes, et on va voir d'autres sauvages, par exemple, s'entre-attaquer, être attaqué par d'autres bêtes fauves, et on va pouvoir comme ça soit les laisser faire, soit interagir directement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut utiliser une chouette, un hibou, qu'on va comme ça envoyer dans l'air, on va pouvoir la guider, et elle va permettre de marquer les différentes cibles et ainsi de pouvoir les faire apparaître dans le jeu. Forcément, à l'âge de pierre, il n'y a pas d'armes à feu, on utilise intégralement des armes de jet ou des armes de main, comme ça, avec une dimension crafting assez développée. On pourra mettre du silex sur des branchages pour en faire une espèce de massue. On pourra faire des lances en accrochant des pierres légèrement effilées. On pourra d'ailleurs récupérer des objets qu'on va pouvoir jeter après usage. Et on pourra, je vous le disais, dans la dimension crafting, récupérer nombre d'éléments à la Far Cry, avec des plantes, de la roche, mais aussi aller dépecer carrément certains animaux pour récupérer des éléments ensuite. Franchement, pour l'instant, même s'il s'agit d'une version alpha, sans complètement bouleverser la formule, ça en apporte en tout cas une petite fraîcheur visuelle. Esthétiquement, c'est plutôt joli. Et puis on a vu des plans aussi de nuit, même si c'était pas directement dans la démo, il y avait une petite démo tournante où c'était assez beau, assez bien travaillé. Donc il y a une bonne ambiance qui s'en dégage. Est-ce que ce sera suffisant pour ébranler un peu, rafraîchir la formule des Far Cry, qui, après un Far Cry 3, que moi personnellement j'avais adoré, le 4 en était plutôt une sorte de copie carbone dans un autre univers. Là au moins c'est différent, mais il faudra être assez vigilant aussi sur la qualité, dans un jeu à monde ouvert, des histoires et l'intérêt des différentes quêtes qui pourront être proposées. Ça, il est évidemment trop tôt pour pouvoir en parler, en tout cas avec la version qui est proposée ici. En tout cas, ce sont donc des premières bonnes sensations sur ce Far Cry Primal, à confirmer dans les semaines et mois à venir, si tant est que nous puissions mettre la main sur une version preview. En tout cas, je vous le rappelle, ça sort sur PS4 et Xbox One le 23 février prochain, et sur PC en mars. À très vite.